Salut tout le monde, c'est Eldezo et on se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy XV épisode du Skae. Donc on va continuer ce qu'on avait commencé il y a quelques temps. Je crois bien qu'on s'était arrêté après la grotte de Fokio. Donc avec les petits lutins là, les gnomes, je sais même pas comment on peut appeler ça. C'est les petits lutins du Père Noël, mais en mode pas gentil du tout. Je m'en rappelle plus exactement des touches et compagnie, donc pour ceux qui n'avaient pas vu les premiers let's play, franchement ce jeu est plutôt pas mal. Moi personnellement j'aime bien. De plus, pour ceux qui n'aimaient pas les anciens Final Fantasy parce que c'était un rôle, fallait jouer en rôle par rôle, donc attaquer chacun son tour. Maintenant on a libre, enfin on a les capacités du personnage qui sont entièrement libres, on peut jouer comme bon nous semble. Et il est plutôt sympa. Donc je vous le conseille si vous ne savez pas quoi acheter comme prochain jeu. En plus, Final Fantasy est quand même l'une des plus grandes séries qui existe quoi en termes de jeux vidéo. Bon, après, ouais, c'est vrai, voilà, il y a les Super Mario et compagnie, mais bon, je suis désolé. Super Mario, voilà quoi. C'est pas une histoire. Enfin, Final Fantasy c'est compliqué aussi au niveau des histoires, il y en a plusieurs. Mais au final, ça en reste quand même une, et c'est une très grosse saga, et certainement l'une des plus grandes aussi. Après, je ne connais pas assez pour vous dire si c'est vraiment la plus grande ou pas. Mais Sony a toujours été fidèle avec ce jeu, et il est franchement plutôt sympa. J'adore Final Fantasy, moi perso, et les graphismes sont plutôt sympas, comme vous pouvez le voir. Donc allez, c'est parti. On a besoin de camper. On s'était arrêté où exactement? Alors on va voir objet, arme, compagnon, on s'en fout. Là on a la carte objectif. Donc entre du behemoth, les quêtes. Prendre la behemoth par la corne, station, corne, sort, économiser 24 000 gilo, mais là c'est pas encore. Trace du behemoth, examiner les traces restantes. Cette quête ne sera pas annulée si vous dormez. Ok. Sinon moi je dois aller concrètement. Concrètement, entre du behemoth. Là-bas il y a la station, ouais mais la station j'ai pas encore fait. Trace du behemoth. Il y a une que j'ai pas apparemment regardé, donc on va y aller, tant qu'à faire c'est pas loin. Hop. Je vais me remettre dans le bain aussi, donc ah oui c'est vrai qu'on peut pas sauter, donc carré pour faire le bordel. Ouais, R1 pour focus. On va pas attaquer eux parce qu'ils sont grave chiants, en plus je vois qu'il y a un bon troupeau là. Sinon ça va durer 3 quarts d'heure. Ah si on peut sauter, c'était rond. Autant pour moi. L1 c'est pour ouais, focaliser sur quelque chose, mais en mode je flotte tout à côté. Et après sinon je sais pas trop. L2 ça fait rien. R2 et L2 non, il n'y a que dalle. On va regarder juste ça. Ouais, ça y est, objectif rempli, ok j'ai gagné de l'XP, c'est sympa. Donc maintenant on va aller faire campement ou pas. Je suis quoi? Je suis niveau 18. Putain, je sais pas si ça va suffire. En plus je savais qu'on pouvait aller chercher les chocobos normalement après. Ouais non, s'ils nous disent pas qu'il y a un truc là-bas, c'est que... Donc ouais, on va pas placer notre repère ici. Voilà. Allez, on va l'examiner. Ouh, bordel! J'ai envie de voir contourner tous ces gros cailloux. Ah, moi, tu me donnes une trouelle. Je t'y fais un trou dedans et j'y passe en moins de deux. Hein. Sinon, tu me donnes un houlocopter. L'houlocopter, avec ton youtoupel, fait pas long feu. Hein. Bon, le caillou, je le survole. Ouais, ça a l'air d'être ici. Putain, il est chiant, s'épuiser par contre. Allez, cours, ma gueule. Montre-nous que t'es pas une tapette. Croix. Hop, les. Dekena. Dobuts, t'es wak ja ne na. 俺たち勝てんの? 油断すれば一発でやられるぞ。 Oh putain!
Merde. Non, sérieux? Attends, parce que lui, il vient sur nous. Je sais pas si ça attaque. Peut-être qu'il faut attaquer en premier. Voir, est-ce qu'il n'y a pas un autre point que je peux... Ah, il y a toujours son effet planté. Eh mais qu'est-ce que c'est que ça? On peut attaquer les gens. Aïe aïe aïe. Vulnérable. Ah oui, c'est vrai qu'on a des capacités. Merde, comment les encloche? Comment les encloche? Triangle. Putain, ma vie quoi. Il a perdu que dalle comme vie. L'âme vampirique, c'est de la merde. Tourbillon, pour ce qu'on a, non. Saut, percée puissante, ouais. Aïe. Ah ouais, ok. Dans le même temps. Ouais, moi, je peux pas... Oh là là, mais il est en train de me démonter. Yes. J'ai fait une invocation, il se passe quoi? Ah bah c'est pas trop tôt. Ah, je l'avais jamais vu cette cinématique. Ah oui, quand même. Oh, comment je l'ai démonté la tronche. Oh oui, je sauvegarde. Oh bordel, mais attends, mais... Je vais me laisser crever à chaque fois si on a ça à chaque fois. Payer ses dettes. Vendez la corne de Behemoth au magasin. Allez, c'est parti. C'est pas ça. Voilà. Mais là, si je vais camper, mais je vais me faire... Je vais gagner 50 000 niveaux. En plus, il est juste à côté. Je vais camper juste histoire de voir si je gagne des niveaux. Il est où le campement? Voilà, il y a le truc. Je suis pile poil dessus, c'est quoi ce pince? Ah, il doit être sur le gros caillou. Ah, trop stylé. Là, nickel. Croix campée. Ouais. Non, c'est pas vraiment l'heure de dormir, mais bon, vas-y quand même. On sait jamais, au cas où tu gagnerais 50 niveaux. Que ça a l'air pas bon. Ragoût de Garoula. Alors, j'étais niveau 18. 20. Niveau 20. J'ai gagné 2 niveaux, mais c'est déjà pas mal. Et les autres, on en gagnait pas mal aussi. Hop. Comme ça, au moins, c'est fait. Voilà. Putain, j'aimerais bien avoir un petit chocobo là quand même pour me balader. Oh putain, c'est les autres qui gnolent. Allez, on va se les attaquer juste pour le kiff.
Ah, j'ai complètement zappé comment on faisait. Et oh, calmez oui. Oh putain, il y a une lame qui a volé. J'aime bien. J'ai encore des PV, vas-y. Un DPM, hop. Je les transperce tous en même temps vu qu'ils sont en tas. Mais le mieux c'est quand même le tourbillon chaud. Ah putain, bah ouais, mais si je le fais alors qu'il y a personne. Qu'est-ce qu'il attaque ça lui? Et oh, qu'est-ce qu'il me fait lui? Allez, réveille-toi! Ah bah bien sûr. 1120 d'expérience. Si on allait voir ça. Ça sera quoi? Attention au tatouage. Éliminer tous les taotis qui infestent les ruines. Quelle ruine par contre? Oh, il me pète les boules. Celle-ci, de ruine. Elle est où la quête? Ben, j'y suis pourtant, je suis placé dessus. Ah. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, ils sont là. Ouh, toi t'as pas aimé. J'adore ces jeux où tu maîtrises une épée, où tu peux faire des combinaisons énormes quoi. Bon après, bien sûr, c'est que la démo, donc il n'y a pas les compétences et compagnie. On peut pas en demander plus, ouais. Franchement, j'adore ce genre de jeu. Alors, nous, c'est là-bas qu'on veut aller. Donc voilà, il nous faudrait Chocobon parce que c'est franchement long là de traverser toute la map. En plus, j'ai pas dit Chocobon, c'est Chocobo, juste au cas où. Et ne pas confondre avec des Kinder. Oh putain, t'arrêtes pas. Jack, c'est long si tu t'arrêtes à chaque fois. Hop. Récupérons la bagnole. On va voir ce qui va se passer du coup. C'est ici. Okay. Défense de Karakula. Ça rapporte 3000 gil. Hein. Cahier de dragon, ça rapporte aussi. Montre brisée.
Ouais, bout de métal chromé, jolie pièce, lame d'acier, joint mitril, putain, corne de behemoth, 25 000, boum. Et voilà. Moi, si j'ai bien compris, le reste... Bon, je vais les garder juste au cas où. L'objectif rempli de payer ses dettes. Aussi s'amuser avec tout cet argent. J'imagine que c'est elle que je vais aller voir. Objectif rempli. 10 000 d'expérience. Oh putain. Et du coup là on fait quoi? Qu'est-ce qui va se passer? この通り準備できてるよ。修理は無事に終了。もうどこも悪いところはないはず。感謝する。細かいところも整備しといたよ。費用上乗せしたいとこだけど。この辺はおまけ。本当？嬉しいな。いいえ。今後ともハンマーヘッドをよろしく。もちろん。 Putain, la caisse de malade en même temps. Si quelque chose se passe, je vous enverrai un message. <笑>性能に不満感じたらいつでもおいで。電話で相談もあり。いいよ。じいじも退屈してるから喜ぶ。今度はシドに手土産を持って伺うか。だな。じゃあ行くわ。ありがとな、シドニー。うん。行ってらっしゃい。 Sympa. Séquence bonus scène d'aperçu de l'avenir. Voix japonaise uniquement. インソムニアが二フル杯の帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。王都を守る障壁が崩壊。帝国軍が王都城周辺を爆撃。おい、待てよ。両国間で行われていた停戦協定については、今回の事件を受け、当面の凍結が発表されました。また、亡くなられたレギス国王陛下に続き、ノクティス王子、 そしてテネブライのフルーレ家令嬢ルナフレーナ様の死亡が新たに確認されています。いいか、途中で投げ出すことは許されない。ルシス王家の人間としてこのレギスの息子として常に胸を張れ。 Donc le but sera de reconquérir le trône. Putain, oui, elle m'a plu.
C'était franchement plutôt sympa. Moi, je suis bien content en tout cas d'y avoir joué. J'espère qu'à vous, ça vous aura aussi fait plaisir. Donc, je vais vous laisser sur ça. Du coup, vu qu'on a tué le behemoth et qu'on a fini cette démo, voulez-vous remplacer votre sauvegarde par une sauvegarde de fin? Elle vous permettra de reprendre la partie juste avant la fin. Yes. Et puis voilà, donc moi, je vais vous laisser sur ça. Sur ce, j'espère que tout ça vous aura plu. Et puis à demain, j'ai vu. Ah, bah oui, on en avait, c'est vrai. Mais franchement, il va y avoir une tonne de trucs dans ce jeu parce que j'ai vu toutes les capacités. Enfin, j'ai vu qu'on pouvait avoir des compétences qui n'étaient pas activées dans le mode démo. Il y a des trucs que je savais tout simplement pas faire aussi, où je me suis pas attardé dessus parce que j'ai pas voulu faire les combats. Quand on était au camp, ils nous demandaient si on voulait faire des combats amicaux, donc avec nos amis pour apprendre les techniques qu'il y avait et ainsi de suite. J'ai pas voulu les apprendre parce que voilà, ça me saoulait un peu. Et puis voilà, donc moi je vais vous laisser sur ça. Et encore une fois, en espérant que ce let's play vous aura plu. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous l'avez aimé, et ciao tout le monde!